Voilà, on va poursuivre direct, on va parler sport, on va parler football américain. Ce dimanche, les Templiers d'Elancourt ont rencontré les Lions de Bergame, une équipe d'Italie pour une rencontre de poule de l'Euro Bowl, qui est l'équivalent en fait de la Ligue des Champions appliquée au football américain, c'est dire l'importance. Jorge Agostino, bonsoir, vous êtes le président des Templiers d'Elancourt. Bonsoir. Et Thibault, rebonsoir, puisque vous m'accompagnez pour cet entretien. Bonsoir. Alors vous l'avez facilement emporté, 29-3 contre une équipe qui, il faut le dire, est quand même beaucoup plus riche que vous, les Lions de Bergame. Ah, ils étaient peut-être fatigués par leur arrivée, par le voyage, etc. Mais en tout cas, belle victoire. Plus riche que nous, oui, financièrement. Sportivement, on a vu que ce n'était pas le cas. Bon, financièrement, effectivement, il y a un ratio, on doit avoir 5% de leur budget, grosso modo. Donc voilà, mais ça c'est uniquement dans les coulisses. Sur le terrain, la différence s'est pas vue. Hein. On a réussi un super spectacle. On voulait une grosse fête pour notre sport. Ben, on a réussi. Il y avait à peu près entre 2500, un peu plus de 2500 personnes. Donc c'est vraiment la grosse fête et sportivement également. Donc. Alors heureux, sportivement, ouais. C'est la partie de Thibaut. Voilà, Thibaut, vous étiez au match dimanche. Donc peut-être une précision d'abord pour les téléspectateurs. 5% du budget de Bergame, c'est quoi exactement en chiffres? Ben, notre budget cette année est aux alentours de 100 000 euros, donc Bergame à 2 millions d'euros à peu près. D'accord. Voilà. Alors si on revient au match, quel regard d'abord vous portez sur la prestation de vos joueurs ce dimanche? Ben, sportivement, un gros gros match. Ils y étaient préparés, ça fait 3 semaines qu'ils se préparent à ce grand match. Il faut dire qu'en face, il y avait de très bons joueurs, peut-être un peu moins de cohérence que nous, parce que nous on est vraiment une équipe, on a la même équipe en championnat d'Europe qu'en championnat de France. Eux, on savait qu'ils font venir un tas d'imports de double passeport italien américain, donc il y a des joueurs qui arrivent pratiquement la veille du match, ça on le savait, donc un peu moins de cohésion, donc tout ça a joué en notre faveur et on a pu le démontrer sur le terrain. Alors les téléspectateurs et nous-mêmes en tant que journalistes, on a très envie de savoir en fait ce qui se dit dans les vestiaires en général sur la partie secrète. Alors qu'est-ce qui s'est dit dans les vestiaires avant le match, comment on a motivé les Templiers d'Elancourt? Bah, avant le match, bah, déjà, donc, le public a répondu présent. Ça, c'était déjà c'est hyper, hyper stimulant pour les joueurs, savoir qu'il y a du public qui est là, qu'on a réussi à faire bouger les gens. C'est pas toujours évident. Il faisait beau, donc voilà, ils auraient pu faire des barbecues. Non, ils ont décidé de venir nous encourager, ce qui était très bien. Et bon, on n'allait pas devenir des très bons athlètes si on n'était pas 15 jours avant. Donc sportivement, on est là. En championnat de France, on tient la route. On est là, on est présent également. Donc voilà, la motivation de jouer un match européen contre une équipe qui, elle, a été 3 fois championne d'Europe, 12 fois championne d'Italie. Donc c'est la motivation, elle vient toute seule, je dirais. Alors, on a compris que vous aviez réussi à renverser la tendance malgré votre déficit financier et alors pas de déficit, mais en tout cas moindre importance. Une question sur le physique, en fait, parce que tout au long du match, moi, j'étais présent. Vous avez tenu le coup face à ces anciens joueurs de la NFL, des joueurs importants. Alors, est-ce qu'il y a eu une préparation spéciale avant le match? Encore une fois, il n'y a pas de préparation spéciale avant le match, sauf tactiquement, mais ce qui est le cas avant chaque match, puisque soit au niveau français, au niveau européen, il y a des cassettes qui circulent, il y a ce qu'on appelle du scouting, donc ils nous connaissent, donc il faut tout le temps innover. Donc là, les coachs sont là pour ça, pour sortir des tactiques, où ça ne pète pas, mais toutes les actions en attaque ou en défense sont écrites, et les joueurs appliquent ce que leur coach leur dit. C'est moins fun, on dirait que c'est moins fun, mais c'était comme ça. Le football américain, tous les jeux sont écrits. Donc effectivement, il y avait des tactiques exprès pour ce match-là. Physiquement, les gars, d'année en année, ils prennent conscience que c'est un sport très physique. Et de ce fait, on a une grosse majorité des joueurs qui font la musculation, si ce n'est pas tous les jours, au moins 2 ou 3 fois par semaine. Donc voilà, à leur niveau, parce que ça reste un sport amateur, donc ils font tous le maximum pour un physique, parce que c'est un sport qui requiert énormément de physique, effectivement. Mais votre objectif, ça reste quand même la finale du championnat de France. L'Euro Bowl, c'est la cerise sur le gâteau, ou alors on se met à rêver d'une finale en Autriche? Effectivement, on n'a pas encore réussi à décrocher ce titre de champion de France, donc notre objectif principal, tant qu'on ne l'aura pas gagné, ça sera effectivement d'être champion de France. Cette année, l'année prochaine, l'objectif de cette année pour toute l'équipe est effectivement le championnat de France. L'Europe, c'est la cerise sur le gâteau, c'est l'opportunité de faire venir du public, l'opportunité de voyager, de rencontrer d'autres équipes que notre quotidien, on va dire, de jouer les équipes qu'on connaît déjà au niveau français. Hein. Donc de voir un autre... Il n'y a pas de petites équipes en Europe. Donc pour nous, c'est que des gros matchs. Hein. Donc voilà, on s'améliore en... Ça permet d'apprendre aussi. Ça permet d'apprendre, tout à fait, oui.
on va parler peut-être un peu finance. Est-ce qu'une rencontre comme ça de Robol, ça vous coûte plus cher que ça ne vous rapporte ? Financièrement parlant, vous allez me dire, on a gagné le cœur des spectateurs, c'est formidable. Mais je vais vous dire automatiquement, ça coûte plus cher parce qu'on a décidé depuis plusieurs années de ne pas faire payer l'entrée que de faire découvrir ce sport-là. Donc automatiquement, ça coûte. On n'a pas de recette d'entrée de terrain. On continuera tant que voilà, on a rempli 3 000 personnes. C'est exceptionnel pour nous. Je préfère avoir 3 000 personnes que 200 personnes payantes. Donc, d'ailleurs, vous étiez là au parc Guy Boniface, alors que d'habitude vous jouez au Complexe Europe. Alors tout complexe à fait, oui. Trop petit. Du coup, vous êtes parti à Guy Boniface. Un mot également peut-être sur les projets d'investissement. On parle d'un nouveau terrain. On parle de nouvelles tribunes. Donc on parle d'un nouveau terrain, ça a été confirmé par la mairie d'Elancourt. Donc la mairie d'Elancourt à partir de cet été, donc début juillet, vont nous construire une nouvelle pelouse. Il faut dire que l'existante a déjà 14-15 ans. Hein. Donc on commençait à souffrir, donc on va avoir une nouvelle pelouse. Alors peut-être pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est quand même pas donné. Hein. C'est pas non, une pelouse, la réfection d'un terrain, c'est entre 700 et 800 000 euros. Voilà. On a la chance, nous, entre guillemets, d'avoir déjà la dalle qui est déjà prête, parce qu'on avait déjà ce style de terrain. Donc là, ça sera aux alentours de 500 000 euros, la moquette, la pose de la nouvelle moquette. Enfin, c'est plus la moquette maintenant, c'est le terrain synthétique. Hein. Et en plus, la mairie veut quelque chose de bien pour nous et pour sa commune également. Donc, on va avoir la nouvelle génération de... Très impressionnant, on a été avec des élus de la mairie à Clairefontaine il y a 2 jours pour voir justement les nouveaux terrains synthétiques. C'est très impressionnant par rapport à ce qui se faisait encore il y a qu'un an. D'accord. Juste parce qu'il nous reste que 30 secondes, je finis juste sur cette question. Donc, Thibault, la prochaine étape, c'est... C'est Valence. Pour le robot, là. En déplacement robot, là. À Valence, alors... En Espagne, hein, je précise. En Espagne, dans la Drôme. Exactement. Donc un petit jugement du... Alors, vous avez 15 secondes. Alors j'ai 15 secondes, on va faire vite. Les Espagnols ont battu... excusez-moi. Hop, les Italiens ont battu Valence de 5 points, 27 à 22. Nous, on a battu 29 à 3 les Italiens. Donc vous allez battre les Espagnols. Donc voilà, alors donc c'est même pas la peine de regarder le match, parce qu'on a déjà le résultat. Merci en tout cas à Giorgio Agostino d'être venu en plateau. Félicitations Merci encore à votre équipe pour ce très beau résultat, 29 à 3 face au Lyon 2. Bergen.